Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire un challenge qui a été créé par une youtubeuse américaine qui s'appelle Ailijah J, quelque chose comme ça. Je vous mettrai sa vidéo juste là dans le coin. Tous les liens seront en barre d'infos juste là. Et comme vous verrez dans le titre, c'est le Full Face Using Only My Finger. Donc c'est le No Brush Challenge en plus court. Donc je dois pas utiliser les pinceaux, les trucs comme ça, donc ça va être chaud. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire, va vous amuser. N'hésitez pas à liker ou à commenter la vidéo et à la partager. Et on se retrouve pour la suite avec le teint. Donc j'utilise le fond de teint de chez Réserve Naturelle, c'est le Cover Fit. Après ça, j'utilise mon correcteur, le numéro 2 de chez Glam Up Paris. Avoir l'air d'un cadavre. Après je fais mes sourcils avec ça, donc c'est un mascara de chez Réserve Naturelle, un mascara marron. Donc après je prends mon anti-cerne, donc c'est un peu un anti-cerne pas trop de ma couleur, de ma teinte, de chez LA Girl. Il coûte que 3,50 et c'est en pinceau, c'est hyper pratique. Je vais redessiner. Donc après ça on passe à la poudre que je vais mettre là où j'ai mis de l'anti-cerne. Donc ça va être un peu chaud comme je vais devoir faire ça avec mes doigts. C'est la poudre de Nocibé. Ça c'est pas le pire hein. C'est pas le pire pour moi, le pire là pour l'instant c'était les sourcils. Donc comme j'ai voulu faire comme les américaines, on va mettre du bronzer, de l'highlight et tout, genre highlight je le mets tous les jours mais le bronzer non. Donc je prends juste ce marron là de la palette Miss Rose, donc il y a des blushs tout. Je vais mettre juste un peu de blush pour voir ce que ça fait. Je vais regarder la pigmentation, un truc de fou. Et je prends ça. Mais il faut faire gaffe, c'est hyper pigmenté. Je sais pas si vous voyez, il y a un peu de blush, un peu de bronzer. On passe à l'highlighter. Donc ce n'est pas un vrai highlighter, c'est un fard à paupières de chez Nocibé. Regardez-moi cette couleur. Donc comme vous le voyez, j'ai rapproché la caméra car je vais passer aux yeux. J'utilise la palette de chez Anastasia Beverly Hills. Donc ça c'est, je vous en parle tout le temps sur mon Snapchat. Si vous ne m'avez pas encore sur Snapchat, je vous le mets juste là, voilà. Ou en barre d'infos, c'est comme Dirty Rose. Je vais prendre le buttery, donc c'est cette couleur là. Donc, dernière étape pour les yeux,
c'est l'eyeliner. Donc j'ai utilisé de l'eyeliner en gel puisque je devais mettre sur mes doigts et que je préfère pour tracer. Donc c'est l'eyeliner gel de chez Réserve Naturelle. Donc normalement ils ont un pinceau juste là. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est juste affreux. Le plus dur, je pense que c'est le mascara. Donc le mascara, c'est celui de Maybelline. J'adore, franchement, c'est le premier que je teste. Et il est franchement au top. Depuis quand on met du mascara avec ses doigts? Donc voilà ce que ça donne d'un peu plus loin. Donc maintenant je vais passer à la dernière étape qui est les lèvres. Donc j'ai pris un gloss rose de la marque Max & More, c'est le Raspberry. Ça donne, c'est assez léger, voilà. Ça va, j'ai pas trop dépassé. Donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Regardez le résultat, comment c'est juste affreux de se maquiller juste avec les mains en faisant le teint, les yeux et les lèvres. Regardez mes sourcils, ça ne ressemble à plus rien. Donc n'hésite pas à liker la vidéo si t'as aimé, n'hésite pas à la partager. Et on se retrouve à la semaine prochaine. Bye!